Podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderrisker d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, Le chien des Baskerville, deuxième épisode. Le lendemain matin, je descendis dans la salle à manger pour prendre le breakfast en compagnie de Sir Henry. Bonjour, docteur. Avez-vous bien dormi? Assez mal. Peut-être êtes-vous resté sur l'impression, disons le mot assez sinistre, que nous avons ressenti à notre arrivée dans ce château. Oui. Il s'est surtout produit quelque chose cette nuit qui m'a beaucoup intrigué. Ah? Quoi donc? N'avez-vous pas entendu une femme sangloter? Oui, effectivement, j'ai eu cette impression. J'ai écouté un moment, puis je n'ai plus rien entendu. J'ai cru avoir rêvé. Non, vous n'avez pas rêvé. Je suis certain que c'était une femme qui sanglotait. Eh ben, nous allons tirer tout ça tout de suite au clair. Monsieur a sonné. Oui, Barrymore. Le docteur Watson et moi-même avons entendu cette nuit une femme qui sanglotait. Qui était-ce, à votre avis? Une femme qui sanglotait? Ces messieurs ont dû se tromper. Il n'y a au château que ma femme, et je peux jurer à ces messieurs qu'elle n'a pas pleuré. Peut-être ont-ils confondu avec le vent sous les portes. Non, Barrymore, non. C'étaient les sanglots d'une femme. Je veux bien interroger Rosie, la fille de charge. Mais elle couche dans l'autre aile du château et personne n'aurait pu l'entendre. Admettons que nous nous sommes trompés. C'est ce que je pense, monsieur. Ce garçon m'inspire assez peu de confiance. Gardons-nous des jugements téméraires, Watson. Il est trop bel homme. Il est trop pâle. Et il a la barbe trop noire. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous ne trouvez pas qu'il se dégage de lui une impression un peu inquiétante? Oui, peut-être. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a découvert le cadavre de votre oncle dans l'allée. Et qu'à ce moment-là, il était seul. Quoi? Le soupçonneriez-vous d'être l'assassin? J'avoue que ce détail me prévient assez contre lui. Et je ne perds pas de vue que l'homme qui vous a suivi l'autre jour dans le cab portait une barbe noire et carrée exactement semblable à celle de Barrymore. C'est troublant, en effet. Oh, vous permettez? Pourquoi ouvrez-vous cette fenêtre? Madame! Monsieur! Approchez! Approchez! Je ne vous fais pas peur! Non, monsieur! Vous êtes la femme de Barrymore, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Pensez-vous, madame, que nous aurons beau temps aujourd'hui? Mais... je ne sais pas, monsieur. Tant pis. Je vous remercie. Mais pourquoi lui avez-vous demandé s'il ferait beau temps? Comme je lui aurais demandé autre chose. Je voulais voir sa figure. Vous avez pu constater que cette femme avait les paupières rouges et boursouflées. C'est elle qui a pleuré cette nuit. Mais oui, c'est vrai. Vous avez raison. Donc son mari a menti. Dans quel but? Il y a un drame dans ce château. Ça ne fait aucun doute. Et nous le découvrirons, je vous en donne ma parole. Pour commencer, je m'en vais à Grimpen pour savoir si le télégramme envoyé par Sherlock Holmes à Barrymore lui a bien été remis en main propre. Excellente idée. Pendant ce temps-là, je vais me plonger dans l'examen de mes papiers de famille. Je longeais la lande et, après une marche de 3 kilomètres, j'arrivais au village où se trouvait la poste, non loin de la maison du docteur Mortimer. Le jeune télégraphiste avoua qu'il avait remis la dépêche à Madame Barrymore, parce que, paraît-il, son mari était dans la grange. Cette femme avait-elle menti? De toute façon, nous n'avions plus aucune preuve que ce jour-là, le maître d'hôtel était au château.
Il pouvait fort bien se trouver à Londres. Mais quel intérêt avait-il à persécuter son nouveau maître? Probablement voulait-il le dégoûter très vite du château pour y rester seul avec sa femme. Cette hypothèse ne me semblait pas du tout invraisemblable. Mais pour un but aussi médiocre, aurait-il tué son ancien maître? De toute façon, les pleurs de cette nuit laissaient supposer que Madame Barrymore n'approuvait guère la conduite de son mari. Sur le chemin du retour, un bruit de pas me fit retourner. Quelqu'un courait après moi. Docteur Watson ! Docteur Watson ! C'était un inconnu de 35 à 40 ans. Petit, mince, blond et coiffé d'un grand chapeau de paille. Il tenait d'une main une boîte de botaniste et de l'autre un filet à papillons. Excusez-moi, docteur. Nous autres de la Lande sommes des gens sans cérémonie. Et je me présente tout bonnement, Stapleton. Ah, enchanté, monsieur Stapleton. Le docteur Mortimer m'a parlé de vous à plusieurs reprises. J'étais dans son cabinet tout à l'heure quand vous êtes passé. Il m'a dit qui vous étiez et comme nous suivons la même route. Où habitez-vous? Sur la Lande, en haut de la petite colline que vous voyez là-bas. Mais vous devez être terriblement isolé. Ça n'est pas pour nous déplaire. Madame Stapleton s'accommode volontiers de ce silence? Je suis célibataire et je vis avec ma jeune sœur. Ah oui. Comment va Sir Henry? J'espère qu'il a fait bon voyage. Excellent. Nous redoutions tous un peu qu'après la mort tragique de son oncle, le jeune héritier des Baskerville ne refusât de vivre ici. C'est demander beaucoup à un homme riche de s'enterrer dans un endroit pareil, mais le château a toujours été une telle providence pour les pauvres gens de la région. Sir Henry n'éprouve, je l'espère, aucune frayeur superstitieuse au sujet de cette histoire de chien qui, soi-disant, s'acharnerait sur sa famille. Non, je ne le pense pas. L'imagination des paysans est extraordinaire. Ils seraient nombreux à jurer sur la tête de leurs enfants qu'ils ont vu sur la lande un chien de l'Apocalypse. Le tragique, c'est que ce pauvre Sir Charles avait fini par y croire, mordicus. Et ses nerfs étaient tellement tendus que l'apparition de n'importe quel chien dans la nuit a pu avoir l'effet que vous savez sur son cœur malade. Vous pensez vraiment qu'un chien a poursuivi Sir Charles et qu'il est mort de peur? Voyez-vous une autre explication? Pour le moment, je n'en suis qu'aux hypothèses. Et votre ami Sherlock Holmes? Il en est au même point. Nous fera-t-il l'honneur de venir jusqu'ici? Je n'en sais rien moi-même. En ce moment, des affaires très importantes leur tiennent à Londres. Quel dommage. Lui, il arriverait certainement à voir clair dans ces histoires de chiens fantômes. Ah, cher docteur, me voici arrivé au chemin qui mène à Merripit. Merripit, c'est le nom de notre petit domaine. Vous apercevez ce toit qui fume là-haut? Oui. C'est notre maison. Monteriez-vous jusque-là pour que j'aie le plaisir de vous présenter à ma sœur? Mon Dieu, je ne voudrais pas vous déranger. Elle va être ravie de vous connaître. Venez. Alors, soit. Vous allez voir, docteur, notre lande est une splendeur. Je ne me lasse pas de l'admirer. Vous n'avez pas idée des secrets merveilleux qu'elle renferme. Vous l'avez étudiée? Nous ne sommes ici que depuis 2 ans, mais j'ai été conquis tout de suite. Et je crois que maintenant, peu de gens connaissent la région aussi bien que moi. Est-elle si difficile à connaître? Très difficile. Vous voyez par exemple là, vers le nord, cette plaine avec ces sortes de collines qui y ont poussé? Oui. Vous n'y remarquez rien de particulier? C'est un endroit rêvé pour y faire du cheval. La première idée qui vient à tout le monde. Malheureusement, cette idée-là a coûté la vie à beaucoup de cavaliers. Apercevez-vous un peu partout cette tache verte qui brille? Oui. Là, le sol est plus fertile qu'ailleurs. Eh bien, mon cher docteur, je vous présente le grand marais de Grimpen. Un bourbier, comme on en voit peu. Un faux pas, et c'est la mort. Hier encore, j'ai vu un des poneys de la lande errer par là. Il n'en est pas ressorti. Sa tête a émergé longtemps, puis peu à peu, elle s'est enfoncée, jusqu'à disparition complète. C'est horrible. Ce bourbier est dangereux, même pendant la belle saison. Alors je vous laisse à penser après ces 8 jours de pluie. En effet. Cependant, moi, tel que vous me voyez, je peux m'y promener quand je veux. Et en revenir, vivant. Vous? Oui. J'ai découvert 2 ou 3 petits chemins praticables, à condition d'être agile. Mais pourquoi allez-vous dans un endroit aussi dangereux? Voyez-vous cette colline là-bas? C'est une île, véritable. Isolée de tous côtés par l'infranchissable marais qui l'a cernée au cours des siècles. Mais elle possède des plantes et des papillons rares. Le tout est d'avoir assez de cran pour aller jusque-là. Ça m'amuserait d'essayer. Oh, restez là, je vous en supplie, j'aurai votre mort sur la conscience. Moi-même, je l'avoue, ce n'est que par des repères assez compliqués que j'arrive à en sortir. Qu'est-ce que c'est? Un cri étrange, n'est-ce pas?
Les paysans disent que c'est le chien des Baskerville qui réclame sa proie. Je l'avais déjà entendu une ou deux fois, mais jamais aussi distinctement. Et d'après vous, quel est ce cri? Avez-vous déjà entendu un buteur? Non. En Angleterre, c'est un oiseau pratiquement disparu, mais sur la lande, tout est encore possible. Je ne serais pas autrement surpris d'apprendre que nous venons d'entendre le cri du dernier buteur et que... Oh, excusez-moi un instant, voilà sûrement un cyclopidé. Un petit papillon avait voleté à travers notre sentier et Stapleton se lança à sa poursuite en direction du grand bourbier. Il bondissait de touffe en touffe en agitant son filet vert. Il ressemblait à un grand papillon fou. Je m'inquiétais de le voir ainsi s'éloigner sur un terrain aussi dangereux quand j'entendis un bruit de pas derrière moi. C'était une femme qui descendait de Mary Pitt. Miss Stapleton, sans aucun doute. Elle était grande, mince, rassée, et aussi belle et aussi brune que son frère pouvait être blond et laid. Elle observa Stapleton, et après s'être assurée qu'il ne pouvait pas nous voir, elle s'avança rapidement vers moi. Allez-vous-en, rentrez vite à Londres, tout de suite. Mais pourquoi? Je ne peux pas vous expliquer, mais pour l'amour de Dieu, faites ce que je vous dis. Attention, voici mon frère qui revient. Je vous assure, nous avons sur la lande des orchidées à profusion. Malheureusement, vous n'en verrez plus guère, la saison est trop avancée. Eh oh, Beryl! Oh, Jack, comme tu as chaud! J'ai couru après un cyclopidé, mais il a été encore plus agile que moi. Vous vous êtes présenté tout seul, à ce que je vois. Oui, je disais à Sir Henry qu'il était arrivé bien tard pour admirer les orchidées de notre lande. Mais pardon, mademoiselle, vous pensiez parler à Sir Henry Baskerville? Oui. Vous n'êtes pas... Hélas, non, mademoiselle. Je ne suis que son ami et un modeste bourgeois. Docteur Watson. Oh, je suis confuse, excusez-moi. Il t'excuse certainement, car la méprise n'a rien que de flatteur. Nous montons, docteur? Je vous suis. Un quart d'heure plus tard, nous arrivions à une maison sans grâce, entourée d'arbres rabougris. L'intérieur était meublé sans goût, et je contemplais par la fenêtre la lande désolée. Vous devez vous dire, docteur, que nous avons choisi une étrange retraite. Pourtant, nous y sommes heureux. N'est-ce pas, Beryl? Mais oui. Naguère, je dirigeais un collège. Le travail y était assez routinier, mais j'aimais façonner les jeunes esprits et leur insuffler un peu de mes goûts et de mes idées personnelles. Malheureusement, il y a eu une épidémie, 3 de mes élèves sont morts et les familles ont déserté mon collège. Je ne m'en suis pas relevé. Alors, presque ruiné, je me suis tourné vers la nature. Ma sœur l'adore autant que moi, et nous vivons ici, paisiblement, loin de la bêtise humaine. Et vous ne vous ennuyez pas ici, mademoiselle? Mon Dieu, monsieur... Nous avons nos livres, nos travaux et des voisins intéressants, en particulier le docteur Mortimer, dont les conversations sur la morphologie sont passionnantes. Sir Charles était également un ami charmant. Nous l'aimions beaucoup. Pensez-vous, docteur, qu'il serait indiscret d'aller cet après-midi faire une visite à Sir Henry? Il serait ravi. Alors je vous demanderai d'avoir l'obligeance d'annoncer ma venue. Comptez sur moi. Merci. Le déjeuner va être prêt. En attendant, voulez-vous que je vous montre ma collection de lépidoptères? J'inventai un prétexte pour me sauver, car j'avais hâte de me retrouver auprès de Sir Henry. Je n'oubliais pas que Sherlock Holmes désirait que je le quitte le moins longtemps possible, quoiqu'il m'eût conseillé d'étudier soigneusement le voisinage. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'étais monté à Mary Pitt. Pour rentrer, je repris le sentier que j'avais suivi avec Stapleton. Un raccourci devait exister, car avant d'atteindre la route, j'aperçus Miss Stapleton qui me guettait. Je voulais vous dire, docteur, combien j'étais désolée de l'erreur stupide que j'ai commise en vous confondant avec Sir Henry. Je vous demande en grâce d'oublier les mots que j'ai prononcés qui ne s'appliquent pas à vous. Mais comment voulez-vous que je les oublie, mademoiselle? Je suis l'ami de Sir Henry. Dites-moi pourquoi vous souhaitez tant qu'il quitte Baskerville. Nous avons été bouleversés, mon frère et moi, par la mort de Sir Charles. Nous le connaissions intimement. Il était très impressionné par la malédiction qui pesait sur sa famille. Et quand le drame s'est produit, j'ai conclu que sa peur n'était pas sans fondement. Vous parlez de l'histoire du chien? Oui. Je ne crois pas à de telles absurdités. Moi, j'y crois. Si vous avez la moindre influence sur Sir Henry, éloignez-le d'un endroit qui a toujours été fatal à sa famille. Le monde est vaste. Pourquoi voudrait-il habiter un lieu dangereux? Justement, mademoiselle, parce que c'est un lieu dangereux. Tel est son caractère. Si vous ne lui donnez pas l'indication plus précise, il ne s'en ira pas. C'est que, malheureusement, je ne sais rien de précis. Permettez-moi une question. Je vous en prie. Pour me dire tout cela, pourquoi vous cachez-vous de votre frère? Mais parce qu'il souhaite, lui, et de tout son cœur, que le château soit habité. Il pense à tout le bien qui serait fait aux pauvres de la lande. Dans ce sens, je l'approuve.
Mais a-t-on le droit de risquer une vie humaine? Oh, excusez-moi, il faut que je me sauve. Adieu, docteur. Elle disparut et je rentrai au château. Quelques jours plus tard, dans l'allée des Ifs, je rencontrai le docteur Mortimer qui venait prendre de nos nouvelles. Comment allez-vous, cher confrère? Fort bien. Et vous? Beaucoup de malades. Des malades de peur, surtout. De quoi ont-ils peur? Du forçat évadé, si encore il se manifestait. Il n'a été vu par qui que ce soit. Oh, il a peut-être fui dans une autre région. C'est ce que je me tue à leur dire. Mais les gens continuent à se barricader. Je comprends ceux qui vivent dans des maisons très isolées. Comme les Stapleton, par exemple. Ah, vous avez fait la connaissance des Stapleton? Oui. Le frère est venu rendre visite à Sir Henry. Le lendemain matin, il nous a emmené visiter les ruines d'un village préhistorique et nous avons déjeuné à Merripit. C'est ainsi que Sir Henry a été présenté à Mademoiselle Stapleton. Et que signifie ce sourire? Eh bien, j'ai l'impression et même la certitude qu'ils sont très heureux de se connaître. Depuis, ils n'ont pas passé un jour sans se voir. En présence du frère, bien entendu. Ils dînent ici ce soir et il est déjà question que ce repas nous soit rendu la semaine prochaine. Stapleton doit pousser à la roue. Ça ne lui déplairait certainement pas de devenir le beau-frère d'un Baskerville. Eh bien non. Je n'ai pas l'impression que tout cela lui plaise beaucoup, au contraire. Allons donc. Ou peut-être la perspective de rester seul. Quand on a une sœur aussi belle, on doit bien s'attendre à ce qu'elle se marie un jour ou l'autre. Les gens sont curieux. Comme on a du mal à trouver des êtres équilibrés. Ils sont rarissimes, mon cher. Je pense à cet autre voisin dont j'ai fait la connaissance hier, ce monsieur Frankton, de l'After All. Ah, vous l'avez vu? Il vous a parlé de ses procès? Ah, vous pensez bien. Ah, il n'a qu'une passion, la loi. Il plaide pour le simple plaisir de la chicane, également disposé à soutenir chacune des deux thèses opposées. Il connaît à fond le droit communal, et il applique sa science tantôt en faveur des villageois, tantôt contre eux. Ce qui fait que, périodiquement, il est porté en triomphe dans les rues du village ou brûlé en effigie sur la place publique. En ce moment, il est ravi. Il a 7 procès sur les bras. Ce qui n'empêche pas de jouer à l'astronome. Ah oui, il possède un excellent télescope. Et depuis quelques jours, il se tient sur le toit de sa maison, l'œil dans le viseur, pour essayer d'apercevoir le forçat sur la lande. Et il ne l'a jamais vu? Jamais. Mais voici Madame Barrymore qui va à la ferme. Toujours aussi grasse et aussi respectable. Oui. Je suis sûr qu'il y a un drame dans la vie de cette femme. Roland. Une nuit, je l'ai entendu pleurer. Ses sanglots m'ont réveillé. Est-il possible? Et depuis, j'ai vu plus d'une fois des traces de larmes sur son visage. Je crains fort que ce soit à cause de son mari. Barrymore a toujours été très sérieux. Et comme maître d'hôtel, Sir Charles n'a jamais rien eu à lui reprocher. Oui. Il n'en est pas moins vrai que dans la vie de cet homme, il y a quelque chose de louche. Vous avez vu quelque chose d'anormal? Oui. Ah bah. Et quoi donc? Eh bien, figurez-vous que cette nuit, vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit de pas léger dans le couloir. Je me suis levé, j'ai entrouvert ma porte et j'ai aperçu Barrymore qui marchait avec précaution une bougie à la main. J'ai enfilé ma robe de chambre et je l'ai suivi pieds nus pour ne pas éveiller son attention. Il est allé jusqu'au bout du couloir et là, il a ouvert doucement la porte d'une chambre. Il a gagné la fenêtre et, levant le bras, il a maintenu la bougie contre la vitre. Puis il a poussé un grognement, il est ressorti de la chambre et il s'est éloigné. C'est en effet curieux. En avez-vous parlé à Sir Henry? Non, mais je le ferai tout à l'heure, après le déjeuner. Vous avez raison. Quand le café fut servi au fumoir, je racontai au maître de maison l'étrange conduite de son majordome. Je vais appeler tout de suite Barrymore et l'interroger. Faudra bien qu'il me dise la vérité. Je vois vraiment pas ce qu'il est allé faire dans cette chambre. Moi non plus, mais si vous l'interrogez maintenant, il n'ira. Il vous dira que j'ai rêvé et nous ne disposerons d'aucun moyen pour le confondre. Par la suite, il se méfiera et nous ne saurons rien. Oui, vous avez raison. Peut-être pourrions-nous aller voir cette chambre pour essayer de comprendre pourquoi il l'a choisie de préférence à une autre. Excellente idée. Nous montons au premier étage et au bout du couloir, nous entrons dans la chambre en question. Il regardait au dehors, dites-vous. Oui, la nuit était sans lune
Il ne pouvait rien voir, mais il pouvait être vu. Or, je constate que cette fenêtre est de toutes la mieux placée par rapport à la lande. Regardez. Son axe penche juste entre deux arbres. Et les yeux portent loin. Ouais. Je me demande s'il ne s'agirait pas tout simplement d'une intrigue amoureuse. Oh, c'est possible. Mais il est bel homme. Et tout à fait capable de subjuguer une fille de la campagne. Oui. En tout cas, j'aimerais bien en avoir le cœur net. Le mieux serait de nous installer cette nuit dans ma chambre. Et d'attendre le moment où il passera devant la porte. Et nous le suivrons et nous le prendrons sur le fait. Faudra bien qu'il parle. D'accord. Maintenant, je me sauve. Vous sortez? Oui. J'espère que vous n'allez pas sur la lande. Si, justement... Bon, alors je vous accompagne. Pourquoi? Rappelez-vous les instructions que m'a données Sherlock Holmes. Ne jamais vous laisser aller seul sur la lande. Mon cher, malgré toute sa sagesse, notre ami Holmes n'a pas prévu une certaine chose qui s'est produite depuis mon arrivée. Et vous êtes certainement le dernier homme au monde à vouloir faire figure de gêneur. Sur ces paroles, Sir Henry prit son chapeau et sortit. J'avais rarement vu homme plus amoureux, et qui le rendez-vous avec Miss Stapleton ne faisait aucun doute. Je le laissai s'éloigner et, bien que le procédé me répugnât, je le suivis de loin. Il disparut à un tournant derrière des rochers et je hâtai le pas. Au fur et à mesure que je m'approchais, j'entendais des voix de plus en plus distinctes. Je m'arrêtais et me glissais dans l'anfractuosité d'un roc. Sir Henry était avec Miss Stapleton. J'ai accepté ce rendez-vous pour vous dire à quel point je suis peinée que vous n'ayez pas encore quitté ce pays. Vous avez donc tant de hâte à me voir loin de vous? En vous donnant ce conseil, je ne pense pas à moi, je vous le jure. Dois-je comprendre que mon départ ne vous serait pas indifférent? Qu'espérez-vous? Que je vous avoue que j'en serais profondément triste. Beryl. Il faut pourtant que vous partiez. La lande est dangereuse pour vous. Et je ne veux pas que vous mouriez comme est mort votre oncle. Mais vous n'avez donc pas encore compris que je ne peux pas vous quitter? Et que ne plus vous voir serait au-dessus de mes forces. J'ai besoin de vous, Beryl. J'ai besoin de votre présence. Parce que je vous aime. Taisez-vous. Je veux bien partir, mais avec vous. Voulez-vous être ma femme? Prenez garde, voici mon frère. Que faites-vous ici tous les deux? Mais nous causions. Si vous croyez que je ne vois pas votre manège depuis quelques jours. Pour commencer, toi, tu vas me faire le plaisir de remonter à la maison. Stapleton, votre colère n'a aucun sens. Aucun sens? Ma parole, vous osez me faire des observations? Vous courez après ma sœur et je devrais vous dire merci. Ah, ça, mais nous ne sommes plus au temps de Richard II. Ce n'est pas parce que vous êtes un Baskerville qu'il faut vous croire tout permis. Vous vous méprenez, Stapleton. C'est vrai, j'aime votre sœur. Mais j'ai pour elle un profond respect. Mon plus grand bonheur serait qu'elle accepte de devenir ma femme. Ah, un mariage. Laissez-moi rire. Votre insolence est injustifiée. Et je ne tolérerai pas une seconde de plus. Je vous en supplie. Viens. Si cet homme en arrive à la violence, je lui cède la place. Il partit en entraînant sa sœur. Mon ami rentra au château sans avoir soupçonné ma présence et, à mon retour, il me conta la scène. Le reste de l'après-midi fut calme et je le passai à écrire une longue lettre à Sherlock Holmes, lui décrivant les lieux, les gens et les événements, même les plus insignifiants, sachant fort bien que d'un détail d'apparence infime, il pouvait parfois tirer une conclusion d'un intérêt capital. Au dîner, je retrouvais Sir Henry qui souriait. Vous ne devinerez jamais, Watson, qui vient de me rendre visite. Stapleton. Stapleton? Oui. Il est venu me présenter ses excuses. Il m'a dit que sa sœur tenait une si grande place dans sa vie que la brusque perspective d'en être privé lui avait fait perdre la tête. Ah. Et il a ajouté, il ne faut pas m'en vouloir. Et à tout prendre, si elle doit me quitter un jour, je serai très honoré que ce soit pour épouser un homme tel que vous. Eh bien, vous voici heureux. Oh, vous pensez? Là, il m'a seulement demandé de m'abstenir de faire la cour à sa sœur pendant 3 mois. Oui, le temps qu'il s'habitue à cette idée et que Beryl s'assure de ses propres sentiments. Voilà qui est raisonnable. Et je le reconnais. Après le dîner, nous montâmes nous coucher. Vers 11 heures, je gagnais subrepticement la chambre du maître de maison. Et là, assis dans des fauteuils, nous demeurâmes longtemps dans l'obscurité, guettant le moindre bruit. Dans l'attente du passage de l'étrange Barrymore.
À 3 heures du matin, nous nous dressâmes sur nos sièges. Nous avions entendu dans le couloir le craquement d'un pas. C'est lui. Écoutez, attendez. Laissons-le s'éloigner un peu. Ouvrez la porte. Barrymore, pourquoi agitez-vous ce flambeau devant la fenêtre? Moi? Mais, monsieur... Répondez! Je fais toujours une ronde la nuit pour m'assurer que les fenêtres sont bien fermées. Ne me prenez pas pour un imbécile. Je veux savoir la vérité, je la saurai, devrais-je appeler la police? Pourquoi agitiez-vous ce flambeau devant la fenêtre comme la nuit dernière? Je ne faisais pas de mal, monsieur. Raison de plus pour ne rien me cacher. Pourquoi ce signal et à qui? Ne me le demandez pas, monsieur, je vous en prie, c'est un secret. Un secret qui ne m'appartient pas. Donnez-moi ce flambeau. Et que faites-vous, Watson? Je répète son signal. Peut-être quelqu'un du fond de la lande va-t-il y répondre. Oui, venez voir. Regardez ce minuscule point de lumière jaune là-bas. Il bouge pour répondre à notre signal. Barrymore, qui est ce complice? Je ne peux rien dire, monsieur. Alors la police vous fera parler. Et dès demain, vous quitterez cette maison. J'en serai navré, monsieur. Quand je pense que votre famille a vécu auprès des miens pendant plus de 100 ans, et vous complotez contre moi. Non, monsieur, pas contre vous. Madame Barrymore, que faites-vous ici? Nous partons, Elisa, tout est fini. C'est moi, sœur Henry, c'est moi qui suis responsable. Mon mari n'a rien à se reprocher. C'est pour me faire plaisir qu'il a agi de la sorte. Parlez alors, expliquez-vous. Mon malheureux frère meurt de faim sur la lande, monsieur. Nous ne pouvons pas le laisser périr devant notre porte. La lumière, c'est un signal pour lui dire que des provisions ont été préparées pour lui. Et sa lumière là-bas indique l'endroit où nous devons les lui déposer. Quoi? Votre frère serait... Selden le força à évader. Oui, monsieur. Et vous avez encore de la pitié pour cet être abject? Mais c'est moi qui l'ai élevé, monsieur. Et quoi qu'il ait pu faire, il est encore mon petit. Quand le premier jour il est venu pour nous demander asile, mon mari voulait le livrer à la justice. Mais je l'ai tant supplié qu'il a consenti à le recevoir. Et puis, vous êtes arrivé, monsieur. Alors il est parti. Et toutes les nuits, nous allons lui porter du pain. Nous espérons toujours qu'il va quitter le pays. Mais tant qu'il est là-bas comme une pauvre bête, nous ne pouvons pas l'abandonner. Ce ne serait pas digne de chrétien, n'est-ce pas? Tout cela est-il vrai, Barrymore? Oui, monsieur. C'est bien, nous aviserons. Pour le moment, retournez dans votre chambre. Si ce forçat est auprès de cette lumière, il n'y a pas à hésiter. Il faut essayer de le capturer. Mais vous avez raison, je vais avec vous. Avez-vous un revolver? Oui, il ne me quitte pas. Bon, je vais passer prendre le mien. Habillons-nous vite et partons. 10 minutes plus tard, nous étions sur la lande, avançant avec précaution vers la lumière qui continuait à briller au loin. Cette nuit est véritablement sinistre. Oui. Heureusement que la lune perce les nuages de temps en temps. Grand Dieu Watson, quel est ce cri? Je ne sais pas. C'était un chien, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Ce cri. Ah, comment les paysans appellent-ils?
Je ne sais pas. Oh, si, vous le savez, moi aussi. Ils disent que c'est le cri du chien des Baskerville. Ce sont des bêtises. Oui, jusqu'ici, je croyais que c'était des bêtises, moi. Mais maintenant, Watson, je sais que le chien des Baskerville n'est pas une légende. Je sais qu'il existe. Allons. Ne pensez plus à ces balivernes. Chut. Baissez-vous et regardez. Nous étions sortis de derrière un rocher et la petite flamme jaune était là, tout près de nous, protégée du vent par un tas de pierres. Et soudain, à notre approche, nous vîmes le bandit se dresser et prendre la fuite. Tirez, Watson, tirez! Manqué! Oh, allez donc le rattraper maintenant. Il ne viendra plus jamais par ici. C'est stupide. Ah, tant pis, rentrons. C'est alors que se produisit un incident qui nous plongea dans la plus profonde stupéfaction. Nous venions de nous relever pour rentrer au château. La lune était basse. Un pic de granit se profilait. Et là, dressé sur le sommet de ce pic, se détacha soudain la silhouette d'un homme, grand, maigre, qui se tenait debout, les jambes écartées, les bras croisés, et la tête baissée comme s'il méditait sur cet immense désert de tourbée de granit qui s'étendait devant lui. On eût dit le dieu tutélaire de ce lieu sinistre. Ce n'était pas le forçat qui avait fui dans la direction opposée. Alors, qui était cet homme? Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Le chien des Baskerville, deuxième épisode, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renault. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abdé Risquet. Avec Sir Henry Baskerville, Michel Gatineau, Dr Mortimer, Georges Hubert, Barrymore, Marcel Lupovici, Stapleton, Jean-Roger Caussimon, Elisa Barrymore, Nan Germont, et Beryl Stapleton, Nadine Allary, avec Pierre Détaille dans le rôle du docteur Watson. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du Crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du Crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.